Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous parler des produits ELF. J'avais déjà effectué deux commandes sur leur site et j'avais été super contente niveau qualité-prix, c'est vrai que c'était un très bon site. Et ils m'ont proposé donc de choisir 5 produits et je vais vous les présenter de suite. Donc c'est moi qui les ai choisis et c'est des produits dont j'avais besoin et aussi que j'avais envie de tester. Donc j'ai reçu ça dans un carton avec du papier rose, un petit mot. Et tous les produits sont très bien emballés, c'est moi qui pour les tester bien entendu et enlever leur emballage, mais on les reçoit pas comme ça en vrac. Le premier produit que j'ai voulu tester, il me faisait deuil depuis longtemps, il était souvent en rupture de stock, c'est l'exfoliant à lèvres, donc qui se présente sous forme de rouge à lèvres, donc déjà le packaging est super beau. Niveau packaging, j'aime beaucoup et en plus ça sent super bon et j'ai adoré l'utiliser, ça exfolie très très bien les lèvres, c'est un produit qui coûte pas super cher, je crois qu'il est aux alentours de 4 €, donc vraiment niveau qualité prix c'est top et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir des exfoliants sous forme de rouge à lèvres, ça évite voilà de mettre le doigt dedans et de s'exfolier les lèvres comme ça, donc c'est très pratique et en plus ça a un super bon goût, ça sent bon et c'est un très très bon produit. Ensuite j'ai voulu tester leur base à paupières. Puisque moi c'est un indispensable à chaque fois que je mets du fard, ben, j'utilise celle de chez Urban Decay puisque je l'avais reçue avec la Naked qui est très très bien mais elle coûte super cher. Et celle-ci pour 1 €, j'avais envie de voir ce que ça valait et franchement elle est top. Je l'ai pris en teinte sheer donc je sais pas trop si ça a une importance. En tout cas c'est une teinte très claire et elle fait très bien son job de base, mon fard tient toute la journée avec ça. Donc je suis très très contente de ce produit. J'avais envie de tester leur feutre à lèvres donc j'ai choisi une teinte assez foncée qu'il y a sur leur site. C'est la teinte Fuchsia Fusion, donc j'adore cette couleur, elle est vraiment très très jolie. Et ça se présente voilà sous forme de feutre, vous appliquez ça, donc la pointe est très pointue. Donc c'est très facile pour bien dessiner vos lèvres, ça j'ai vraiment apprécié. Et quand vous appliquez, bon il faut repasser quelques fois, ça fait vraiment un effet, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres. Donc ça j'aime beaucoup pour tous les jours. Après voilà j'ai pris une couleur assez soutenue donc elle se voit. Ça tient pas toute la journée mais ça tient relativement bien, j'étais assez étonnée. Je trouve que pour un feutre à lèvres qu'on ne sent pas sur les lèvres, franchement ça tient bien et quand ça part, ça fait pas des traits ou quoi que ce soit, ça part, ça vous laisse un petit contour de lèvres en fait, donc c'est pas vilain. Du coup il faut quand même en remettre dans la journée. Au niveau du packaging c'est simple, on dirait vraiment un feutre pour colorier, mais en tout cas ce qui est bien c'est que ça peut aller dans le sac sans souci, ça va pas s'ouvrir puisque c'est vraiment bien, bien fermé, donc ça c'est top puisqu'il faudra faire quelques retouches dans la journée. Ensuite j'ai voulu tester leur poudre pour le teint. Donc moi j'avais déjà testé une poudre hyper foncée pour le contouring et je l'avais adoré, je l'ai encore d'ailleurs, je l'ai même pas fini alors que ça fait... c'est au début de ma chaîne donc ça va faire au moins 2 ans que je l'ai et vraiment elle est top. Donc là j'avais envie de tester une poudre pour tout le teint puisque c'est quelque chose que je mets tous les jours. Le seul souci c'est que sur leur site les teintes paraissent beaucoup plus claires que celles que j'ai reçues. Surtout que j'ai pris une teinte light beige, donc beige clair. Et vous voyez que c'est une teinte qui est quand même relativement foncée. Donc je l'ai essayé, vous avez une petite houppette avec qui est très douce d'ailleurs. J'ai quand même essayé pour voir le rendu et ce que ça pouvait donner. Donc vraiment ça rend une peau très très lisse, une peau de pêche quoi. Donc ça j'ai vraiment adoré le rendu. Après au niveau de la tenue je ne l'ai pas gardé hyper longtemps vu que c'était pas ma teinte, c'était trop foncé. Je l'utiliserai donc cet été parce que l'été quand je suis bronzée je pense qu'elle m'ira bien donc ça va. Mais du coup je ne vais pas vous en dire plus vraiment à part que ça rend vraiment un bel effet sur la peau. Vous avez la peau très lisse et uniforme donc c'est le principal. Cinquième et dernier produit, pareil il me faisait de l'œil aussi donc je suis trop contente de l'avoir testé. C'est en fait une palette avec le contouring et le blush. Moi j'ai choisi la teinte Saint Lucia donc c'est un blush qui est assez clair, un rose clair irisé. Donc il est très discret sur les joues, donc pour tous les jours c'est très pratique, moi je le mets voilà pour le travail. Et pareil au niveau de la poudre pour le contouring, je la trouve très discrète donc ça va bien pour un maquillage de tous les jours. Je peux m'en servir pour le boulot, des fois vous avez des poudres qui sont tellement foncées qu'il faut vachement les estomper pour avoir ce rendu un peu plus naturel. Là pas du tout, vous pouvez en mettre encore, ça va, bon faut pas exagérer, c'est quand même une poudre assez foncée. Mais vraiment j'ai trouvé ce petit dur super sympa et pratique voilà pour emporter dans le sac, c'est vraiment top. Bon c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire mais quand vous partez en voyage ou quoi vous avez tout à l'intérieur, pas besoin de prendre une palette blush, une palette contouring, un miroir, tout est à l'intérieur donc ça c'est très très pratique. Moi je pars pas souvent en voyage donc j'utilise vraiment à la maison et c'est petit, ça prend pas de place, c'est top. J'ai beaucoup aimé puisque ce sont deux teintes qui sont assez discrètes donc je peux les porter pour tous les jours. Bon j'ai pas l'habitude de me faire un contouring pour aller au travail mais ça redonne un petit peu bonne mine et j'ai vraiment bien aimé. En conclusion je suis vraiment très contente des produits que j'ai reçus. Certes ce sont des produits que j'ai choisis donc j'ai bien réfléchi à ce que je voulais prendre et j'avais envie de tester plusieurs choses différentes.
Niveau qualité-prix, je suis toujours aussi satisfaite de leur site. Voilà, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Vous avez de tout sur plusieurs gammes. Donc moi, j'ai testé voilà, la gamme studio, la gamme minérale et une gamme basique, donc avec les produits à 1€. J'utilise pas mal de leurs pinceaux aussi qui sont très bien. J'en avais déjà, donc c'est pour ça que j'en ai pas recommandé. Mais voilà, vraiment niveau qualité-prix, c'est un site qui est top. Vous devez connaître, puisque moi j'ai connu comme ça grâce à YouTube. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous en parler. Et au niveau du rendu des produits que j'ai testés, vraiment, je pensais pas être autant satisfaite. Ma seule déception, c'est par rapport à la teinte de la poudre. Faites attention quand vous commandez, prenez une teinte vraiment plus claire que ce que vous pensez. Moi je pensais que beige clair ça allait me correspondre et finalement c'est trop foncé. Bon, ça sera bien pour l'été donc ça va, ça me fera une poudre pour cet été. Et au niveau du feutre à lèvres, voilà, la tenue n'est pas exceptionnelle, mais je veux dire que voilà, quand ça part, ça fait pas cet effet dégoûtant sur les lèvres, donc c'est déjà un bon point. Pour le reste, je suis super satisfaite et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.